Geoffrey, Oui. si une personne demande à rejoindre, vous pouvez accepter une offre. Oui, je peux accepter, mais toutefois, tu peux également mettre l'option en open. Okay. Option tout le monde, tu penses? Clique sur autre, tu vas aller dans paramètres. Voilà. Et puis option de la réunion. People in my organization who can bypass the lobby. Tu mets everyone. Enregistre et puis c'est bon. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je me présente. Je suis Melinky Médard, Yendoubouan. Je suis data analyst et peut-être menaçant. Ce soir, j'aimerais partager avec vous la notion de signature sur Power BI. Bon, je ne sais pas si d'autres MLS vont se présenter ou bon, on continue. Alors, moi, je vais me présenter. Je suis Jeffrey et Gold Student Ambassador au niveau du Togo. C'est un plaisir de vous joindre et vivement. Le seul Gold. Ouais. Non. Il y a Samadou aussi qui est en ligne, non? Il a fait son événement hier sur la programmation orientée objet. Il n'est pas là. Oui, mais il vient d'être appelé, donc on peut commencer. D'accord. Comme je le disais, on va parler des signés sur Power BI. Les signés, bon. C'est un outil sur Power BI qui nous permet de faire de belles choses avec, de pouvoir rendre dynamique un peu les rapports. Ah bon, qu'est-ce que les signés dans Power BI? Les signés dans Power BI, bon, c'est un outil qui permet de capturer des états d'un rapport. Bon, cela inclut les filtres, les sélections de visuels, les niveaux de drill down et même l'état des pages elles-mêmes. Les signaux aussi permettent de sauvegarder des états pour un accès rapide. Un accès rapide ultérieurement, facilitant ainsi la navigation et l'interaction avec les données. Donc, c'est un peu un truc qui va nous permettre de prendre l'état d'un rapport et bon l'utiliser après lorsqu'on aura besoin. Par exemple, lorsque on va chercher à créer un bouton. Donc, on crée un état, on prend la capture de l'état d'un rapport et lorsqu'on va cliquer sur un bouton, nous aurons le résultat de cette capture. Bon, c'est à peu près ce que les signés nous permettent à faire. Bon, principalement, ça permet aussi à faire d'autres choses. Donc, l'utilisation des signés. Bon, après, il y aura une démo où je vais le faire sur Power BI, je vais le faire sur un rapport pour que ça soit encore plus facile. L'utilisation des signés sur Power BI.
Bon, premièrement, elle permet, bon, la navigation personnalisée. Les signets peuvent être utilisés pour créer des boutons, comme je le disais, de navigation personnalisée. Par exemple, vous pouvez configurer des boutons pour passer rapidement d'une vue de synthèse à une vue détaillée d'un ensemble de données. Elle permet aussi la présentation dynamique. En utilisant les signets, vous pouvez créer des présentations dynamiques où chaque signet représente une étape spécifique de votre histoire de données. Ceci est particulièrement utile lorsque des réunions ou des présentations guident l'audience à travers des points clés. Il y a aussi la comparaison de scénarios, l'expérience, surtout l'expérience utilisateur. Personnaliser l'expérience utilisateur en créant des signets qui filtrent et affichent des données en fonction des besoins de différents utilisateurs ou départements. Bon, comment créer et utiliser un signet? Bon, ça sera encore plus simple lorsque je vais le faire sur l'outil même. D'abord, pour créer un fichier, un signet, on ouvre un rapport, bon, sur le Power BI Desktop. On ouvre notre rapport sur Power BI, on configure notre rapport dans l'état souhaité. Donc, lorsque j'ai un graphique et que ce graphique, je veux l'avoir dans un état, je configure le truc, le rapport dans cet état. Ensuite, je vais dans l'option signer en cliquant sur l'icône des signets dans le volet de navigation. Comme je le dis, lorsque je vais essayer de le faire, ça sera encore plus simple. Ensuite, on clique sur ajouter, bon, pour créer un signet. Lorsqu'on crée le signet, on peut renommer le signet pour pouvoir le reconnaître après. Lorsqu'on crée un signet, en fait, on le relie à un bouton de navigation. Et lorsqu'on clique sur ce bouton, on va facilement retrouver l'état dans lequel on était, l'état du signet. Vous me suivez, non? Oui, on te suit, tu peux continuer. D'accord. Là, je vais essayer d'ouvrir un rapport avec Power BI pour pouvoir l'implémenter. Bon, on ne va pas recréer totalement un rapport, hein. J'ai déjà. Bon, c'est un rapport que j'ai pris. On va essayer juste d'implémenter le signet dans ce rapport. On va voir en quelque sorte à quoi ça va nous aider à en faire. Il y a un graphique qui s'affiche. Bon, dans l'exemple où j'aimerais ajouter, bon, on voit à peu près que le rapport est déjà complet. Il n'y a même pas de place pour pouvoir ajouter un truc. Même moi, j'aimerais ajouter un filtre. Un filtre, par exemple, sur bon, les coûts. Bon, ici. Sur le rapport, on a les quantités, les montants de certains produits. Moi, ce que j'aimerais faire, c'est d'ajouter un filtre. Bon, un segment. Power BI. Bon, je vais le ajouter tout à l'heure. On va ajouter un segment là. C'est bon.
La problématique revient à quoi? Je veux ajouter un segment, un filtre sur les couleurs. Lorsque je clique sur une couleur, ça change. Bon, c'est à peu près ce que je veux faire. Mais lorsque je pose déjà le truc ici, ça cache déjà l'information qui est ici. Et à peu près, j'aimerais faire quoi? J'aimerais et ajouter le filtre ici. Et lorsque je vais cliquer sur un bouton, je puisse avoir le filtre et choisir la couleur que je veux. Et après, je ferme le filtre pour avoir les informations sur le rapport. Bon, à peu près, c'est la problématique à laquelle on va essayer de résoudre avec les signés. Donc, je vais essayer de créer l'état dans lequel je veux être. Je me mets dans un état, je vais créer un état et utiliser les signets pour capturer ces états. Créer des boutons et lorsque je clique sur un bouton, je puisse retourner sur la capture que j'ai juste prise. Bon, je vais essayer de ajouter des boutons pour avoir ce que je veux. Insérer, je viens sur le truc insérer. Pour ajouter un bouton, je viens sur la partie insérer. Là, je clique sur. Bon, il y a déjà des boutons déjà existants dans le truc. Je vais cliquer sur le bouton précédent. Je veux un bouton précédent pour pouvoir fermer le. Lorsque je vais cliquer sur précédent, mon truc là, mon je ne sais pas, le truc, la couleur, le volet des couleurs va disparaître lorsque je vais cliquer sur précédent et lorsque j'aurai aussi un bouton menu. Lorsque je clique sur le menu, ça peut se réapparaître. Je parle des filtres. Les filtres en fonction des couleurs. Donc, c'est un peu à peu près ce que je cherche à faire. Je vais augmenter aussi le bouton pour pouvoir cliquer sur le menu. Menu. Allez dans l'affichage. Non. Toujours insérer, mais là je vais cliquer sur l'image. Fouiller là. Là où j'ai mis mes images. Laisser des images ici. Ok, là j'ai mon image de menu que je vais importer. Redimensionner l'image pour que ça soit plus proche. Ah, c'est bon. Là, j'ai mes états. J'ai ça qui va être ici. Le bouton retour aussi sera au même endroit. Là. Bon, ce que je vais faire maintenant, c'est de créer mes signets pour pouvoir avoir des états donnés. Pour créer un signet, comme je le disais, on va sur le truc affichage, le menu affichage. On clique sur le signet. Et là, le signet apparaît rapidement. Bon, je peux aussi cliquer sur la sélection pour avoir la sélection rapidement. Et là, j'ai l'option des sélections. Là, j'ai l'image, j'ai le bouton, j'ai aussi le segment. Ce que je vais faire est que je vais créer un état où on a juste le menu, le bouton menu.
Pour le faire, je vais essayer de renommer rapidement mes boutons là. Bon, le segment, c'est bon. Le bouton, je pense que c'est pour le retour. Donc, je peux renommer ça. Retour. On a l'image qui représente le menu. Ok, c'est bon. Là, je vais essayer de capturer mes états. Pour l'état, premièrement, je vais juste laisser le bouton menu pour avoir l'état du menu seul. Donc, pour le faire, je vais essayer de masquer. Je vais masquer le bouton retour ainsi que le bouton segment. J'ai masqué les deux. Vous pouvez voir juste que c'est le menu qui reste. Donc, c'est un état, ça. Un état. Je suis dans l'état et pour capturer l'état, je clique sur le bouton ajouter, là où il y a le signé. J'ajoute mon signé comme ça. Je clique ici et je renomme le signé. Bon, je peux renommer ça accueil. Dans l'état où nous sommes dans l'état d'accueil, donc je le renomme comme ça. Donc, je viens de prendre une capture de l'état. Je vais essayer aussi de prendre un deuxième état pour pouvoir switcher après entre les deux. Bon, j'ai fini avec ça, je décoche. Et là, maintenant, qu'est-ce que je vais... Je vais masquer, je masque maintenant le truc du menu. Je masque ça et là j'ai juste quoi? J'ai juste le retour et le côté filtre. Là aussi je vais prendre l'état. Je vais prendre l'état de l'image à l'état actuel. Je vais aussi cliquer sur signer et ajouter ça. Donc là, je le nomme comment? Je ne sais pas comment le nommer, mais... Je vais le nommer détail. Ça donne la vue détail. Là, j'ai mes deux états. L'état là et l'état là. Il y a l'état là et l'état là. Là, je vais maintenant relier mes boutons au signé, aux deux signés. Lorsque je vais cliquer sur le retour, je retourne sur la partie menu. Et lorsque je clique sur le menu, je retourne sur la partie où le filtre existe. Pour le faire, bon, je retourne sur mon... Je retourne sur ça et je clique sur le... Je clique sur ce bouton pour l'avoir dans la partie là. Je vais voir ça. Ok. Sur mon bouton retour, je clique sur ça. Sur mon bouton retour, je peux le voir rapidement dans menu visuel. Il y a le menu sélection, menu signé, menu visuel, menu données. Donc, sur le menu visuel, je peux rapidement voir les paramètres de mon bouton retour. Je viens sur action. Je viens sur action, je le nomme comme un signé. Je nomme comme un signé, je le relie à quoi? Lorsque je vais cliquer sur le retour, je serai sur la partie accueil. Donc, lorsque je vais cliquer sur retour, je reviens sur la partie accueil. Je vais aller actualiser ça. C'est bon. Je reviens à ça, je reviens ici. Je vais essayer aussi pour le menu. Lorsque je vais cliquer, je vais relier le menu aussi. Je vais relier le signé du menu à l'accueil. Et lorsque je vais cliquer sur le menu, je vais retourner sur la partie, la capture où il y a le filtre. Donc là, je suis là. Je clique sur le menu.
Je le mets comme action et je viens ici, je le mets comme signé. Je le relis à quel état? L'état détail. Donc, lorsque je vais cliquer sur la partie menu, j'irai sur le détail. Et lorsque je clique sur retour, je reviens sur la partie menu. Rapidement, je vais essayer de mettre ça à jour. Je mets les deux. Je mets mes deux signets à jour. Et bon, je peux la fermer, le volet. Bon, là, lorsque je vais cliquer sur ça, normalement, je devais revenir sur la partie menu. Continuer à voir ce qu'il y a. On va m'en signer, je retourne ça. Et le menu, lorsque je clique sur le menu, je vais sur les détails. J'essaie de changer ça. Lorsque je clique sur le menu, je viens sur la partie détails. C'est bon. Lorsqu'on est sur la partie le signet accueil, on a le retour qui est masqué. On a aussi le segment qui est caché. Lorsqu'on vient ici sur le menu détail, on a le retour qui n'est pas masqué. On a aussi le segment qui n'est pas masqué. Lorsqu'on est sur détail. Parce qu'on est sur détail. Et on a ça. Bon, normalement, c'est ce qu'on devait avoir. Je vais mettre ça à jour. Non, ça ne devait pas être comme ça. Je retourne. Lorsque je suis sur le détail, j'ai mon menu qui est masqué. Parce que je suis sur le détail, j'ai mon menu qui est masqué. C'est comme ça. Et un jour. Et lorsque je suis sur le signal accueil, j'ai les deux qui sont masqués. Bon. Et ça un jour aussi. J'aime la partie là. J'aime ça. Cliquer sur ça. Vous voyez, lorsque je clique sur le retour, je retourne sur la partie menu. Et lorsque je clique sur le menu, je retourne sur le détail où je peux choisir les filtres. Dès que je clique sur retour, je retourne sur le menu. Donc, à peu près, c'est ce que les signes nous permettent à faire. Bon, lorsqu'on crée un signet sur le Power BI Desktop, lorsque tu veux cliquer sur un bouton, souvent on te demande d'enfoncer sur le truc, le bouton contrôle d'abord, avant que ça soit actif. Mais lorsqu'on le déploie, que ça soit sur le Power BI Service ou peut-être le Reporter Server, ça, il suffit juste de cliquer pour avoir le résultat. Mais lorsqu'on est sur le Power BI Desktop, il faut souvent cliquer sur contrôle avant de cliquer sur notre bouton. Là, vous voyez. Vous me suivez. Hello, hello. Oui, 5 sur 5. Je ne suis pas en train de parler seul, j'espère. Non, non, on est avec toi. D'accord. Bon, c'est à peu près ce que les signes, ce n'était pas trop long.
Je voulais juste qu'on fasse juste un seul truc. Je crois bien. Bon, on a parlé des signés. Je sais pas s'il y a des questions. Hein. Bon, moi j'ai une question. D'accord. Et j'aimerais savoir les signés là. Oui. Je n'ai pas bien capté la définition. Si c'est possible, tu peux nous redonner la définition des signés. Et avant de venir sur les signés, nous donner une petite ou bien une brève description de Power BI et rapport là. Comme ça, on va débouler sur les signés. Et tout ce qu'il y Ok, a ok, à ok. utiliser au niveau de Power BI. Bon, sûrement qu'il y a des gens qui ne connaissent pas Power BI. Bon, Power BI, c'est un outil de business intelligence, un outil de visualisation, un peu comme, bon, le grand frère d'Excel. Et je peux dire qu'il est subdivisé en deux. On a le, bon, est-ce qu'en deux, il y a le Power BI. Il y a le Power BI des socles. Le Power BI des socles, c'est le Power BI que nous utilisons pour créer les rapports. C'est le Power BI que j'utilise présentement pour créer mes signés. Il y a le Power Query. On switch entre les deux. On switch entre le Power Query et le Power BI. Le Power Query permet de nettoyer nos données. Donc, permet de faire les calculs. Bon, des calculs et à peu près sur les données. Il y a le Power BI Service. C'est le côté où on publie les rapports. Donc, lorsque je vais finir ce rapport, je peux le partager sur le Power BI Service pour que la partie prenante, et bon, la personne à qui je fais le rapport puisse venir le visualiser. Bon, c'est à peu près ce que Power BI. Power BI, bon, c'est ça, c'est un outil de visualisation. Et je peux dire que, bon, tout le monde connaît Excel. C'est le grand frère d'Excel. Pour être plus court, c'est le grand frère d'Excel. Et maintenant, bon, par rapport au signé, Geoffrey, c'est bon là, non? Oui, on est Là, bon. tout le monde sait à peu près ce qu'est Power BI. Oui, mais quand tu dis que c'est le grand frère d'Excel, Excel, moi, je l'utilise pour faire des calculs et puis pour faire des trucs tirés ici, faire des importations par là, des extractions par là. Je n'ai jamais utilisé Excel pour faire des visualisations. Un bon? Ah, donc ça permet de faire des visualisations. On apprend tous les jours. Excel aussi permet de faire des visualisations à peu près comme Power BI. Ok, d'accord. Donc, sur Power BI, je pense qu'il y a un thème qui vient le dimanche prochain. Ce dimanche, jamais, c'est le 23, non? Oui. Un Oui, le thème, 23, et bon, je oui, pense sur que Power c'est BI. là, la personne va bien plus expliquer. Moi, j'ai juste pris un sujet dedans. Je pense que le dimanche, la personne qui va faire un événement sur Power BI va plus Ok, d'accord, ça marche. Merci beaucoup. Je pense qu'il y a Oui, encore l'équipe. une main levée. Oui. Je peux t'aider en ce sens. Hein. En fait, D'accord. sur Excel, Excel nous Oui. permet d'entrer des données et de faire de transformer et de faire la visualisation. Par exemple, si Oui. on veut créer des graphes, les histogrammes, tout, tout, c'est simple à faire depuis Excel. Oui. Mais les graphes, tout ça là, c'est vrai qu'on peut rendre ça dynamique, mais Power BI a la particularité de nous donner une visualisation directe de différentes bases de données. La particularité de Power BI, c'est de nous afficher comment l'appelle-t-on, de nous donner la visibilité des informations qui proviennent de différentes bases de données. On peut prendre Excel comme base de données ici dans Power BI ou bien on peut mettre d'autres bases de données externes
comme MySQL, SQL Server, Postgre. Oui, super. Bon? Oui, le même les CSV, tout. Voilà. Bon, à peu près le. On va pas trop critiquer sur ça, mais oui, bon, le Excel aussi nous permet de. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'intervention, mais bon. C'est à peu près ça, mais on sous-estime souvent Excel aussi. Sinon, Excel aussi permet aussi de faire ces choses-là. Comme le Gold Geoffrey vient de dire, il dit que lui n'a jamais créé des visualisations sur l'Excel. Il lui considère Excel comme un classeur. Il lui permet d'entrer ses données, de tirer là, de tirer là. À peu près tout ce que nous voyons sur le Power BI, si on peut le reproduire sur le Excel aussi. Et ce que une personne vient d'intervenir là, ce que la personne vient de dire, il y a plus la flexibilité de connexion à d'autres sources de données. Par exemple, se connecter à une base de données MySQL, Postgres, tout ça, il y a plus de flexibilité dans ce sens. Je vois des personnes lever des mains. Il y a encore des questions. Bien sûr. Moi, j'ai une question. D'accord. Bon, moi, je ne connais rien à la data analyse. Sérieux, j'entends juste parler. J'ai une idée du concept, mais je ne sais pas comment ça marche. So, ma question va être, quand vous entrez les données là, le dashboard là, oui, qu'il y a là devant moi là. De toute façon, c'est joli là. Oui. C'est pas bien même qui a généré ça ou bien c'est toi même qui a fait des graphiques. C'est généré automatiquement par Power BI ou comment? Non, c'est pas généré automatiquement. Tu ne vas pas juste rentrer tes données et il va juste générer bon, des graphiques pour toi. Sinon, ça serait trop simple. Tout le monde devait maîtriser voilà. Rapidement Power BI. Mais et bon, ça c'est simple de prendre en main Power BI. Bon, en tout cas, ta question, je la réponds, c'est pas, tu ne vas pas rentrer les données rapidement. Power BI même va faire des graphiques pour toi. Tu dois bon, toi-même comprendre les données, savoir ce que tu veux faire avec tes données, à quelles questions tu veux répondre. Tu entres les données de vente. Sûrement, tu veux savoir quel commercial a plus vendu. Bon, répondre à une question business, une question qu'on t'a posée, une question business, comme je le dis. Donc, c'est okay. Dans ce sens où tu vas utiliser Power BI pour ton travail. À peu près, tu sais ce que tu veux avant de rentrer dans l'outil. Ok, maintenant, le dashboard là, qu'il y a là-bas, là, par exemple, là. Oui. Comment vous faites pour interpréter ça? Prends l'exemple de ce dashboard-là. Il y a son 11 000 euros, quoi. Comment vous faites pour mis mon temps. C'est possible de le déplacer. Hein. Oh. C'est comme Figma même. Ah, mais lorsque tu vas le déployer, ça ne pourra plus être... Quand tu vas le déployer pour que la partie prenante puisse... consulter ton rapport. Bon, lui, la personne qui va consulter le rapport ne pourra pas le déplacer comme il veut. Mais toi qui as créé le rapport, lorsque tu es dans le Power BI Desktop, tu peux le modifier. Il y a la vue visuelle ici. La vue visuelle, tu choisis un visuel et tu entres tes données pour à peu près que bon, c'est à peu près très simple. Lorsque tu veux créer un truc, il suffit de choisir ce que tu veux créer ici et cliquer sur des données, bon, glisser, déposer rapidement. Ok. Il y a d'autres parties qui sont assez complexes.
dans la modélisation des données. Pour modéliser et nettoyer les données, c'est un peu plus complexe, mais et le Power BI est un peu plus simple. Lorsque tu arrives sur le desktop juste pour créer ton rapport, le visuel, c'est ça même. Pour créer le visuel, c'est encore plus simple. Maintenant, écoute, j'ai aussi une autre question. Excusez-moi, les autres, Julien Wanga, moi, je ne comprends rien à la data, donc permettez-moi de poser encore une autre question. Par exemple, si tu veux analyser des données qui sont des données de l'économie, bien des données de l'agriculture, qui sont orientées vers un secteur donné, et as-tu besoin des connaissances et dans le domaine en question pour mieux interpréter les données, bien, it doesn't matter. Peu importe, tu n'as pas de forcément, forcément. Il y a la partie métier. Pour analyser des données, il faut comprendre le métier. Il faut comprendre ce que tu es en train de faire. Si tu veux, par exemple, analyser les données de santé, à peu près, il faut comprendre les données. Si on dit paludisme, tu dois savoir de quelle maladie il s'agit. Quand on dit diabète, bon, je ne dis pas d'être médecin, mais forcément, il faut connaître des notions. Si tu veux analyser des données économiques, tu ne dois pas être forcément économiste, mais tu dois comprendre en réalité tes données, les données que tu analyses. D'accord. Bon. À peu près, bon, je vais le dire, c'est pas forcément qu'on t'appelle analyse de données pour pouvoir utiliser Power BI pour analyser tes données. C'est pas forcément être analyse de données, avoir la casquette data pour pouvoir utiliser Power BI. Bon, tu peux être commercial et savoir l'utiliser. Tu peux travailler dans la santé. Attends, bon. J'ai encore une question. Oui. Une question un peu bizarre, là, s'il vous plaît. Et je dis, bon, les données là sont récoltées comment? Bon, je sais que c'est sûrement pas des formulaires que vous emmagasinez les données. Mais comment ça se retrouve dans Excel? Bon, Excel, c'est le classeur de données. Bon, pour la collecte de données, bon, je ne sais pas comment te répondre, mais la partie prenante, la personne qui te demande de faire ton rapport, sûrement va aussi te... Bon, à peu près, il y a plusieurs sources de données. Comme tu le dis, sur Excel, c'est pas forcément... Sur Excel, on peut avoir nos données, mais on peut l'avoir directement dans une base de données. Soit même sur Internet, faire du scraping pour avoir nos données. Je ne sais pas. Bon, la collecte aussi. Même se connecter à une API pour récupérer nos données, pour pouvoir les analyser. On peut avoir ça sur Internet. Comme tu le dis aussi, ça peut être sur Excel. Ça peut être des feuilles Excel qu'une personne a rempli. Des classeurs. Ok. Je laisse la main à d'autres personnes. Il y a Julien Awaga qui veut poser une question. Bonsoir à tous. Effectivement, j'avais une question. Et d'abord, pour rebondir sur ce que tu disais pour Samadou, je pense que il a principalement posé la question sur les sources de données et les indicateurs. Moi, je pourrais dire la source des données, généralement, c'est classique pour les entreprises de collecter des données, que ce soit depuis des bases de données classiques, relationnelles ou non relationnelles. Et après, bah, celui qui doit peut-être analyser ces données peut sentir le besoin d'exporter ces données-là, les avoir peut-être dans une forme structurée comme Excel, ou depuis la source de données, les extraire et directement construire son dashboard. En ce qui concerne le dashboard en soi, le plus important, c'est d'avoir des KPI, des métriques pertinentes, tu veux dire. Donc, ces métriques, parce qu'on peut avoir des données, mais si on n'a pas des indicateurs pertinents, les données, là, ça reste des données après tout, mais
si c'est pas, il n'y a pas des, comment dit-on, des métriques, c'est-à-dire des trucs concrets qu'on peut analyser sur ces données-là, ça peut être des données, ça reste inutile, c'est ce qu'on appelle Ah, c'est inutile, oui. des données inutiles, bon, pas inutiles, mais qui n'ont pas vraiment une importance business en fait. Ça n'a pas d'enjeu, voilà, ça va, le terme est là, ça n'a pas d'enjeu sur le business de l'entreprise. Donc, on peut avoir des données, mais c'est surtout avoir des données de qualité. Qu'est-ce qu'on peut mesurer? Il a parlé de construire des dashboards, de mettre en évidence des relations, peut-être, ou de mettre en évidence une métrique importante. Je prends un exemple. Si je prends un site de e-commerce, par exemple, on peut mettre en évidence sur un dashboard le lieu le plus fréquent d'où viennent les achats. Par exemple, dans cette région, je prends le Togo, par exemple. On peut mettre un dashboard où on va voir que la plupart des achats ou bien la plupart des achats viennent de la région maritime, par exemple, ou bien les gens de Hagouin achètent plus les chaussures, ou bien les gens de, je sais pas, les gens de Lyon 2, D'accord, les amis, tu vois. Donc, sur ce dashboard comme ça, on peut avoir par région, par catégorie, mais l'important, c'est d'avoir la pertinence, la quelque chose de pertinence, oui. pertinent pour permettre à celui qui prend les décisions de savoir orienter sa stratégie. Parce qu'à la fin, ce n'est pas pour voir joli, c'est pour C'est prendre ça, les mais c'est pas pour décisions. voir joli. L'important pour celui qui va prendre des décisions, c'est de savoir que, OK, les gens d'Agoué, ils achètent plus les chaussures. OK. Est-ce que dans notre stock, on a plus des chaussures? Est-ce qu'on doit ravitailler? Les gens, voilà, prendre vraiment des décisions qui ont d'impact sur son business. En gros, l'outil Power BI, c'est destiné aux gens qui prennent les décisions. Est-ce que les gens qui prennent les décisions, bon, généralement, ce sont des gens qui ne sont pas tech et tout ça. Il faut quelqu'un, un data analyst, qui n'a pas seulement l'outil, la maîtrise de l'outil, mais aussi qui a l'enjeu business derrière. Lors de son intervention, il a parlé de ça, la connaissance du domaine. Bon, ce que les Anglais appellent knowledge domain. Il faut avoir une connaissance, bon, pas pointue comme un médecin. Tu as parlé de médecin tout à l'heure, mais ce n'est pas la peine d'être pointu comme un médecin dans le domaine de la médecine, hein, pour voilà, faire construire un dashboard. Mais il faut connaître le domaine. Quels sont les enjeux du domaine? Quelles sont les tolérances du domaine, par exemple? Quand je parle du domaine de la finance, on ne tolère peut-être pas une seconde de retard ou bien on ne tolère pas, en fait. Voilà. Il y a un certain nombre de connaissances minimum qu'il faut avoir dans les domaines. Quand je pense, bon, on appelle ça plus des industries, l'industrie de, je sais pas, des finances, l'industrie des banques, l'industrie de l'éducation, l'industrie du retail, des centres d'appel. Donc, chaque industrie a ses exigences. Donc, le fait d'être, bon, pas spécialisé, mais de connaître le domaine dans lequel tu travailles, va t'aider à mieux travailler, va t'aider à mieux connaître tes métriques, tes KPI, pour pouvoir construire des dashboards qui ont un impact business, en fait. Donc, en gros, pour En résumer gros, ce que c'est mon de frère prendre disait. des décisions, de pouvoir prendre des Voilà. décisions. Oui. Bon, je reviens maintenant à ma question. J'ai vu tout à l'heure, en fait, ma question revient à ce qu'il avait posé. Bon, je follow-up ce qu'il a dit tout à l'heure. Il a dit, est-ce que c'est vous-même qui construisez les dashboards, ou vous importez, et puis ça se fait automatiquement. Bon, là, si vous remarquez bien un peu plus à droite, en haut, il y a Copilot là-bas. Bon. Copilot, c'est un outil, c'est un agent, on va dire, un outil qui permet de. Depuis un certain temps, Microsoft construit des agents qu'ils appellent des Copilot, qu'ils intègrent dans leurs produits. Vous pouvez voir qu'après, vous avez sûrement entendu de Copilot pour la suite 365, Copilot pour Word, Copilot pour, je sais pas, PowerPoint qui va générer des PowerPoint pour vous, Copilot pour, je sais pas, Excel. Donc, j'ai remarqué qu'il y avait Copilot là-bas aussi pour Power BI. Bon, honnêtement, j'ai jamais vu comment ça fonctionnait. Peut-être j'ai pas encore vu aussi la vidéo démo de leur produit. Mais je crois que ça va aider ceux qui construisent des dashboards à produire rapidement des dashboards et surtout la pertinence. Bon, j'ai pas vraiment testé, donc je voulais demander au présentateur s'il pouvait tester, bon, s'il a la main dessus. Parce que ça requiert quand même une licence. Je ne sais pas s'il a la licence pour
tester Copilot, demander le construire en fonction d'une métrique particulière. Donc, c'était ça. Et il faut tester Copilot parce qu'on va faire Copilot tout de suite, même dans notre section de information, programme MLSA là, ouais. Mais toi, tu nous testes Copilot dans la génération de rapports. Il y a une autre question qui t'attend dans le chat. Donc, je te lis déjà la question. On dit, c'est quoi la différence entre signer personnel et signer du rapport? Différent entre signer de... personnel et signer du rapport. De la part de M. Landrou. Et signer personnel et signer rapport. Oui. Personnellement, est-ce que j'ai une fois entendu parler d'une différence entre les deux? Donc, peut-être qu'il va... Il va nous expliquer. Ah, je préfère dire Yel. Yel va nous expliquer un peu la question ou bien reposer la question. Alors, on dit Copilot est gratuit. Hein. Du coup, tu peux tester avec Copilot et tu vas produire des rapports. On est là, on attend seulement. Il ne faut pas zapper le truc de... C'est Landrou, non? Oui. Tu as la main. S'il peut parler. Oui, salut, bonsoir. Bonsoir. Ah, ok. Donc, moi, je suis arrivé un peu en retard. Donc, sur les signés, bon, dans mes recherches, j'ai vu qu'il y a deux types de signés, les signés personnels et les signés de rapport, même dans Power BI, je pense que c'est mentionné. Mais la différence, en fait, je ne comprends pas effectivement, c'est quoi la différence entre les signés personnels et les signés de rapport. Si les signés personnels, c'est que si c'est la personne même qui les conçoit directement ou bien si on a des instructions directement dans Power BI qui nous permet de faire ces signés personnels. Et au niveau des signés de rapport aussi, je voulais voir si c'est Power BI qui nous donne ça ou bien nous avons aussi directement la main sur ça. D'accord. Bah, c'est pas obligé de répondre. Je sais pas, les signés, différentes signées. Et on voit la question. Alors, si je me résume là, il y a deux types de signés, je crois, au niveau des signés. Il y a le signé personnel et signé du rapport. Du rapport, exactement. Donc, je voulais juste savoir, c'est quoi la différence entre les deux, d'autant plus que, avec tout ce qu'on a expliqué, sous là, il y a des types de signés que nous-mêmes, nous pouvons construire, c'est-à-dire les signés personnels avec nos propres données et les signés du rapport. Donc, je voulais voir je pense que ce que je viens de créer, ce sont les signés personnels. Voilà. Et de l'autre côté, le signé de rapport. Oui. Je ne sais pas, je ne l'utilise pas. OK. Mais je pense que ce sont des signés d'IA prédéfinis. Par BI même que nous pouvons utiliser. Mais bon, c'est le signé personnel que, bon, c'est sur ce sujet que j'aimerais en venir aujourd'hui. Okay. Bon, pour les signés de rapport, est-ce que tu as une fois eu... Tu as une fois utilisé ça ou je ne sais pas. Non, justement, moi, j'utilise aussi les signés personnels. Enfin, les signés que j'utilise, là, ça n'a pas de dénomination. Je ne sais pas si c'est des signés de rapport ou des signés personnels. Donc, non, ce sont des signés personnels. Ce sont des signés personnels. Les signés de rapport ne sont pas modifiables. Ce sont des signés de Power BI même. Je ne pense pas qu'on puisse modifier ça. Les signés qu'on utilise sont des signés personnels. D'accord. Bon, à peu près, on va faire après des recherches sur ça. Tu m'as donné des Et puis, bon, je voulais peut-être rebondir sur les questions posées précédemment. Je vois que M. Julien a expliqué en long et en large ce que c'est que les sources de données. Moi, je suis dans le ferroviaire et on utilise beaucoup les données au niveau du ferroviaire pour notamment gérer le trafic avec un dashboard qu'on consulte tous les jours, c'est-à-dire... on voit le trafic, l'heure d'arrivée des trains, les retards, les clients, tout ce qui est trafic. Donc, chaque jour, tous les données qu'on recense. Dans quel pays? Je suis à Dakar, mais pour le moment, je suis en mission au Canada. Mais c'est des trucs qu'on utilise dans le ferroviaire, en fait. Donc, du coup, au niveau de Dakar, parce que c'est là-bas que je suis basé. Donc, au niveau de Dakar, dans le ferroviaire, donc tous les jours, en fait, là, on a un dashboard qui est au niveau du centre des opérations ferroviaires. Où toutes les données qu'on recueille, c'est des données qu'on utilise, enfin c'est une IA
une IA qui est intégrée à un logiciel qu'on appelle Haiku, qui va recenser toutes les données journalières. Et le lendemain, ces données sont transmises directement au niveau de Power BI maintenant pour ressortir la régularité, parce que dans le ferroviaire, on parle plus de la régularité. Donc, c'est Power BI maintenant qui nous génère maintenant la régularité. On voit les écarts de différence entre chaque train et voilà. Donc, en gros, ce n'est pas seulement qu'Excel, mais il y a d'autres outils ou bien d'autres logiciels qui sont intégrés directement à Power BI qui permettent de générer automatiquement les dashboards, etc. Donc, quand il a parlé de Copilot tout de suite, je vois que c'est un outil de Microsoft qui a été intégré tout récemment. Il me coupe. Pardon? Désolé, j'ai un appel qui m'avait coupé là. Ouais. Donc, je disais en fait que l'outil Copilot, là, je pense que ça a été intégré nouvellement, mais il y a d'autres IA enfin, qui permettent de communiquer avec Power BI pour générer automatiquement des dashboards et tout. Là, quand il est en train de parler tout de suite, là, j'essaie de générer un peu un truc sur Copilot, là, mais ça ne me donne rien parce que je n'ai pas de données actuellement disponibles. D'accord. Premièrement, quand tu as parlé du domaine ferroviaire, j'ai eu peur, j'ai dit. C'est Togo Rail ou quoi? Non, c'était juste pour répondre un peu à la question de notre ami qui parlait de Excel et il disait qu'il ne savait pas comment transférer les données et tout. En fait, c'est pour lui rebondir pour dire qu'aujourd'hui, pas bien, je n'ai pas dit que c'est indispensable, mais dans presque tous les secteurs maintenant, c'est un truc qui est vraiment en plein essor et qui permet vraiment l'aide à la décision au traitement des données. Ouais. Geoffrey, il y a l'événement, c'est dimanche, non? Oui, c'est dimanche. Merci, monsieur Landou, déjà. C'est super intéressant de voir des professionnels utiliser des outils comme ça, comme Power BI, et puis nous faire des retours. Mon cher Meda, il va se connecter à vous et il va apprendre encore du domaine ferroviaire, comme il a eu peur, comme si c'était Togo Rail là. Moi-même, j'ai dit, là, c'est pas Togo, hein, gars, ça, c'est pas Togo. Si vous utilisez des données de dashboard pour pouvoir voir la régularité de où ça va aller, l'équipe bien là que vous êtes en train de mesurer. Franchement, c'est pas le pays là, c'est pas le pays ici. Merci beaucoup, c'est très gentil. Il y a l'événement de Claudia qui va se passer dimanche. Et elle nous a déjà fait l'honneur de nous répondre par rapport au signé du rapport et signé perso. Donc, je lis un peu sa réponse ici. Ça dit, les signés du rapport sont des configurations sauvegardées qui sont accessibles à tous les utilisateurs ayant accès au rapport. Donc, en gros, ce sont des signés qui sont déjà incorporés sur le rapport et vous pouvez l'utiliser pour pouvoir faire sortir ce que ça pré-génère en fait par rapport à la configuration d'origine. Bon, d'accord. Je pense que c'est bon. Je peux poser une question. En fait, je voulais demander à Landrou, le logiciel dont il a parlé tout à l'heure. Il a parlé de IQ. S'il peut m'écrire ça, je vais faire des petites recherches dessus. Ah, ok, non, c'est pas Haiku, c'est Haiku. C'est spécifiquement dans le ferroviaire. Et c'est pas open source, en fait. Donc, même si tu le trouves, ils vont te demander de payer spécifiquement aux entreprises ferroviaires. Mais tu peux quand même aller voir un peu. C'est sûrement gratuit pour les mêler ça. Non, je crois. Qui t'a dit, ça? Bon, c'est juste pour rire, je sais que. Ça s'appelle Haiku. Comme on a beaucoup de trucs gratuits. Rai comme Rai, et tu mets cube juste à la fin, Haiku. Ok, merci beaucoup. Je t'en prie, au plaisir. Ok, ouais. Il y a encore une question. Je pense qu'il y a une personne qui veut poser une question. Bon, c'est déjà bon. Merci, monsieur Landrou, pour votre intervention. Il y a aussi Julien aussi qui a beaucoup expliqué.
à peu près ce que la data permet de faire dans le domaine business. Bon. Là, je pense qu'on va s'arrêter à là, non? Il y a encore un événement qui arrive. Il y a une personne qui veut intervenir ou je ne sais pas. Vous m'écoutez? Allô, allô? Oui, on t'écoute très bien. Moi, c'est bon pour ma part. C'est assez clair. Merci beaucoup. Geoffrey nous a quittés, je pense. C'est comme s'il a un événement à faire après ça, parler du programme MLSA, je ne sais pas si je dois couper pour qu'on puisse reprendre. D'abord, Meda, merci beaucoup pour ta présentation. Tu peux arrêter déjà l'enregistrement. D'accord. Et puis, je vais voir Geoffrey. Normalement, il devrait être là, non? Sûrement, peut-être l'acheter, la visiter.